Bonjour à tous, Mitra Pneuma de Nintendo Alert et on se retrouve pour un nouveau Let's Play de Xenoblade Chronicles 3. Là, on n'est pas sur une quête particulière, en fait on a vu un point d'intérêt sur un des récifs qui semble inaccessible et on se dit qu'on peut peut-être l'atteindre en sautant. Et on se dit également que ça pourrait vous intéresser si on arrive à trouver la solution à cette énigme. Donc vous voyez que là on passe différentes cordes. Donc vous voyez là sur la gauche le petit îlot là avec les plantes violettes qu'on peut escalader. Donc voilà, on fait des sauts d'une corde à l'autre. Et je pense qu'il faut sauter au bon moment pour attraper ces lianes violettes. Ah, c'était à rien là. Parce qu'on a, enfin, en regardant tout autour, on voit rien de particulier, donc on va retenter encore le coup. Hein. Là, ça permet d'avoir une jolie vue sur, enfin, Discadancia, mais pour moi c'est Lefteria. Hein. Lefteria complètement dégommée, mais. Alors, on va regarder l'îlot, quand même. Mettre sur un point de. En regardant l'îlot, je vois vraiment pas comment on peut atteindre cet îlot, si ce n'est en sautant. En plus, il y a deux câbles, donc. Je pense pas que ce sera une compétence d'escalade qu'on va acquérir. Pour moi, c'est. Il faut sauter, quoi. Ah, bah voilà! Voilà, voilà. Mais oh putain! Brasier de morveux de moucheux. On va recommencer calmement. C'était bien ça, comme vous avez pu le voir. D'autres couperaient et feraient un montage de genre j'ai réussi de la première fois. Mais pas nous, les amis. On vous montre tous les fails, les noubris. Donc c'est bien ça, hein. Faut sauter. J'espère au moins que le cadeau va être à la hauteur de l'effort. Hein. Donc quand je dis un gros mot, dites-vous que je suis en train de dire brasier. Ça le fait aussi. Concentration. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon. Là, on va pas nouber, hein. Ça se trouve, ça est une... Ah non. Ah, héritage des 7. Donc ça doit pas être un truc à chier. Anneau mercurien. On va aller voir ce qu'il fait cet anneau mercurien. Vu que notre épée, c'est l'épée des 7 fétiches. Accessoires. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Augmente. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, 60% les coups critiques. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu du tout. Donc j'ai pas souvenir d'avoir trouvé d'autres stèles de ce style. J'ai pas souvenir. Donc ça doit être disséminé un peu partout sur les maps qui sont loin d'être petites. Donc voilà. Donc on vous a montré. Donc on va vous remontrer la map. On va vous remontrer la map en grand. Donc alors il faut partir d'ici. Donc, sémaphore des embruns. Ensuite, vous prenez les cordes. Là, il y a deux cordes. Il faut bien sauter donc, sur la première. Il faut bien sauter sur la deuxième. Et au moment opportun, sauter sur l'îlot qu'on vous a montré pour aller obtenir cet accessoire qui est vraiment très, très intéressant. Donc, voilà pour la petite astuce. Je vous remercie de nous avoir regardé. Et à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.